poursuivit son chemin. Mais le teufeur s'est mis à ranger le port autant que lui. Et voilà que la frontale survint de son côté avec grande hâte. Il se mit à courir. Le teufeur courut. La double humaine courut. Enfin, il atteignit l'extrémité du chemin. Il débouchait sur une plaine immense où mille lumières éparses vacillaient dans le brouillard confus de la nuit. L'homme s'y jeta, espérant distancer par la vitesse de ses jambes les deux inconnus qui s'étaient cramponnés à lui. Sur mon âme, dit l'homme terrifié, je vois bien les frontales qui avancent et les teufeurs qui courent. Mais où suis-je ? Dans la cour des miracles. De voitures et de camions aux phares vivaces et égayés, des feux autour desquels formaient des groupes étranges y brillaient ça et là. Tout cela allait, venait, criait. On entendait des rires aigus, des vagissements inconnus, des voix de femmes. Les mains, les têtes de cette foule, noires sur le front lumineux, y découpaient des gestes bizarres. Par moments, sur le sol, où tremblait la clarté des feux, il y a de grandes ombres indéfinies. On pouvait voir passer un chien qui ressemblait à un homme. Un homme qui ressemblait à un chien. Les limites des races et des espèces sont laissées passer dans ces foires comme dans un pandémonium. Hommes, femmes, bêtes, âge, sexe, musique, art.
closer to the